je me suis dit, ah, ce serait cool si des groupes qui font justement des énormes salles ou qui font même des clubs de 400 personnes puissent adapter leur set et en faire un set acoustique. On a choisi le nom, on a défini un style graphique pour cette série de concerts qui se déroule en fait tous les mois. Et donc l'idée c'était un peu de faire ça dans le bar du 210, d'axer ça sur la découverte. Les meilleures soirées c'était quand il y avait 30 ou 40 personnes quoi. Donc vraiment ce côté intimiste, chaleureux, lumière tamisée, voilà c'est un peu ça les soirées What the Folk. Je pense qu'on arrive tout doucement à fidéliser un certain public qui a envie de découvrir, qui a envie de passer une bonne soirée, comme s'ils étaient chez eux, comme s'ils étaient à la maison, comme s'ils étaient dans leur salon. On a fait David Bartholomé la semaine passée, dans la grande salle, il y avait 150-200 personnes assises, et on s'était un peu dit, il faut limiter le nombre de personnes pour justement garder cette proximité avec le public. On fête les 67 le 5 février et ce soir un Big in Japan. Big in Japan, je pense qu'à la base il y a c'est folk mais électrique. C'est un folk un peu plus énervé, qui peut un peu faire penser au groupe qui évolue pour le moment sur le label Sub Pop, comme Band of Horses ou Grand Archive. Je compose des morceaux à la maison, je fais des ébauches de morceaux avec des textes, des mélodies. Et puis alors, je vais enregistrer chez Jacques, qui est un home studio. Moi, j'essaie de reprendre un peu l'essence de la chanson, c'est-à-dire ce qui fait le couplet, ce qui ferait le refrain. Et sur base d'une prise guitare-voix, j'essaie d'apporter des arrangements. Je fais écouter à Didier, et puis c'est un peu le jeu de ping-pong, ça rebondit. Tiens, bon, voilà. Et alors, la chanson s'ébauche un peu comme ça, sur base d'une prise assez simple, assez pure, qui rejoint un peu aussi l'esprit folk, c'est une certaine simplicité. Une sorte de carte de membre où genre pour 5 euros tu peux venir voir tous les concerts What the Folk de l'année.